je vais en vivre, hein, on se voit après. Encore mieux parce que je t'ai demandé. T'inquiète, je vais pas oublier, tu as dit le parfum, le déodorant et quoi d'autre. Et ben, c'est ça, tu peux dire. D'accord. Bye. Allô ma belle. Allô ma belle. J'ai trouvé ce que tu m'as demandé, mais l'argent n'était pas suffisant. Du coup, j'ai rajouté de l'argent. Pas grave. L'essentiel, c'est de payer. C'est pas grave. Je voulais juste te prévenir pour éviter des problèmes et tout. Patati patata. Ah, d'accord, d'accord. Je croise alors à la maison. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Bisous. Enfin, on l'a eu. Wow. C'est ce que j'étais en train de te dire. Mais il y a tout dedans. Mais tout ta ce mère, que je cherchais. Ta mère, faut voir. Non, mais c'est pas possible. C'est rejure, hein. Oh c'est là tout là. Ce que tu étais en train de chercher. Voilà, il y a tout, il y a tous les téléphones. Mais faudrait me payer quelque chose. Mais tu me donnes quand même. Bon, il y a déjà de l'argent, non? Oh là là, les téléphones. Je t'avais dit que cet appel de vol là, c'est nous. Non, mais merci. C'est nous. En tout cas, merci beaucoup. Là, j'ai... rentrer. Mais là tu fais cette tête pour l'argent que tu as rajouté. Au fait, c'est pas ça. Tu te rends pas compte que j'ai rien du tout là. Je vais laisser ça dehors. Je sais pas te dire ce qui m'est arrivé. C'est où? En ville. Comment je t'explique? J'étais en ville, j'ai tout payé. J'ai payé ce que tu m'as demandé. Les parfums, les déodorants, tout évangélique. Et j'avais le sac en main et puis après, je sais même pas comment ça s'est passé le boulot. Je sais pas. Donc je dois te rendre l'argent bien c'est bon. Mais non, t'es sérieuse là? Je t'ai dit que j'ai plus de sacs. J'ai pas d'argent, j'ai pas de téléphone et la seule question que tu trouves à me poser c'est si tu dois me rembourser mon argent. C'est pas grave. Mon chéri va m'apporter quelque chose. Quand il sera là, il va me donner l'argent, je vais payer. J'allais te dire, regarde les sacs que Franck m'a laissé là pour toi. Quand il est venu. J'en ai... Mais non, t'es sérieuse là? Je te dis qu'on m'a volé mon sac et toi tu me dis comment t'as offert un nouveau sac. Je vais pas t'expresser parce qu'il m'apporte toujours des nouvelles choses à chaque fois qu'il vient. D'ailleurs, les sacs c'est joli. C'est joli. Bébé! Bébé! Oh là là, viens là, un coca là. Ça va bien? Oui, ça va. Oh là là, ça c'est mon bébé, toujours joli, toujours mignonne. En tout cas. Quand tu vois pas mes mains? Prends ça, c'est pour toi. Comme d'habitude, quoi. Moi, quand tu me vois là, tu vois un cadeau. Franck, c'est les cadeaux. Hein? Bébé! Ah, toujours mignonne en tout cas. Tu souris toujours bien. Ah! En fait, bébé, où sont les petits coins? Deuxième porte à gauche. D'accord. Bon. J'arrive, hein. J'arrive, bébé. La Mehdi. Franck est là. Viens voir. Pourquoi crier mon nom comme ça? Franck est là. Viens voir. Je t'avais dit, non? Que? Il apporte toujours des choses. Il est là-bas. Il apporte toujours des choses. C'est tout. Regarde. C'est quoi ça? Le téléphone. C'est son téléphone. Pardon? C'est son téléphone. Ça, son téléphone! Mais...
Mais quand tu regardes ce téléphone, ça te dit rien. Au fait, tu dis que c'est son téléphone. Et vous avez presque le même. Non, mais t'es sérieuse là? Mais je te dis que c'est mon téléphone. C'est mon téléphone. Vas-y, enlève la pochette perfide. Je te dis que c'est mon téléphone. Tu vois, il a tout fait sa petite dehors. Je t'ai dit que Franck. Laisse-moi rire. Exactement, mon téléphone, il vient avec. Comment il a eu mon téléphone? Là, tu vois, Franck, là, il peut voler ton téléphone. Ou bien tout ça, tout ce qu'il a porté ici. En passant, on va. Ah! Attends! Mais je t'avais dit, non. Il m'apporte toutes les choses et tout. Le parfum? Le déodorant? Mais tu te rends pas compte que c'est tout ce que tu m'as demandé de t'amener? Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais je suis sûre que ton frère, c'est celui qui m'a arnaqué. C'est celui qui m'a volé mon téléphone, mon sac, tout ce que je possédais, j'en suis sûre. Tu connais leur frère, quand même. Ah, il travaille où? Comme toi, tu vois, c'est ma frère, tout ce qu'il m'apporte, les sacs et autres. Puisque je t'ai dit, mais pourquoi ces disputes-là? Ça, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ce que tu m'as demandé, c'est pas la même marque. Mais pour moi, ça c'était que Franck te rapporte exactement ce que moi je devais t'apporter à la maison. Et il a mon téléphone, la pire de choses, je vois pas pourquoi t'es aveugle. Mon téléphone, il est là, c'est mon téléphone. Vas-y. Enlève la pochette. Oh! C'est lui, c'est lui, c'est lui. Je l'étais